Pierre, bonjour. On s'était rencontré à Canet en Roussillon. Tu nous avais aimablement invité pour le salon du livre. Et puis tu nous as dit, il y a un autre super salon, il faut venir, à Prades. Oui, à Prades, parce que depuis plusieurs années, nous faisons ce que nous appelons une troubade, c'est-à-dire une rencontre littéraire et musicale, puisque nous le faisons au moment du festival Pablo Casals, autour donc du livre qui touche la musique, ou autour de la musique. Donc nous faisons cela toujours l'avant-dernier week-end du festival Pablo Casals, toujours avec la mise en relief, évidemment, des ouvrages qui sortent autour de Casals, et également les collections qui touchent le domaine de la musique, comme par exemple cette année, une très belle collection de jazz chez l'éditeur Alter Ego. D'accord. Alors, tu nous présentes madame qui est de... Alors, Anne-Marie Brun, qui est donc l'élu à la culture ici à Prades, qui est aussi à l'initiative de cet événement avec nous-mêmes. Alors Anne-Marie, dites-nous de ce salon. Mais ce salon, c'est la cinquième édition. Qui marche bien et de mieux en mieux parce que les gens le connaissent mieux. Ça se passe effectivement, comme l'a dit Robert, pendant le festival. Et c'est important parce que voilà, on met en évidence les livres qui sont sortis sur l'année, comme l'a dit Robert, sur la musique et principalement sur le festival ou Pablo Casals. Alors vous avez eu la gentillesse de nous inviter, donc on vous en remercie. Et c'est très gentil à vous d'être venu. Eh oui, bah les Parisiens adorent. On l'ouvre, le salon est ouvert quand même aux éditeurs autres que... Je crois qu'il faut le dire, hein. qui n'hésite pas à venir. D'accord. Non, le salon n'est pas du tout exclusif. Nous avons des éditeurs, par exemple, cette année, qui viennent de Barcelone, évidemment, puisque nous essayons d'être transfrontaliers dans le domaine catalan. Mais également, nous avons deux éditeurs de l'Aude cette année. Nous essayons d'élargir ce salon, qui, au départ, est parti des éditeurs du pays catalan, mais qui s'élargit de plus en plus et qui... Comme disait Anne-Marie, nous en sommes à la cinquième édition, dont nous commençons vraiment à être maintenant rodés. Alors c'est un salon un peu particulier, parce que c'est un salon sur deux jours, avec une journée rencontre littéraire, qui se passe le vendredi. Une journée, je veux dire, plutôt une soirée, puisque désormais nous débutons vers 18h jusqu'à 20h. Rencontre littéraire. Et le lendemain, nous mettons en relief les éditeurs. Eh bien, merci tous les deux. Et puis, bon salon aussi. Et voilà, absolument, merci. Bonne journée. Bonjour Laurence. Bonjour Marie-Christine. Donc là, on vient de voir que tu as sorti un ouvrage sur le Luxembourg. Parle-nous absolument. Un peu de cet ouvrage. Alors en fait, l'inconnu du Luxembourg retrace en fait une légende des années 20 dans Paris, 1925 plus précisément. Où en fait tout part dans le quartier du Luxembourg, donc Paris, dans le 6e arrondissement et même le 5e, puisque le héros habite à côté du Panthéon. Donc voilà, c'est un jeune étudiant en médecine qui, ma foi, doit passer ses examens et qui se rend au jardin du Luxembourg. Il va faire une étrange rencontre en fait avec un vieux monsieur à côté du kiosque et ils vont se découvrir une passion commune pour la musique. Le fait est qu'ils vont sympathiser et ce vieux monsieur, à l'allure un peu singulière, en fait, va l'inviter chez lui à venir jouer, puisqu'il a l'habitude de jouer en famille tous les vendredis soirs et d'organiser des soirées musicales, donc musique de chambre incluse. Et donc, arrive la soirée Mozart. Donc tout le monde est invité, tout le monde a choisi son programme et personnellement, je suis musicienne, donc j'ai un peu choisi aussi les œuvres qui m'intéressaient en fonction de mon histoire. Donc j'ai choisi de mettre en regard le 23e concerto de Mozart que tout le monde connaît et le Requiem. Et la soirée ne se finira évidemment pas comme il le faut. Mais là, on ne peut plus après avancer. Alors là, on ne dit plus rien. Là. On ne peut plus aller au-delà de l'histoire. Il faut carrément lire le livre et surtout pas aller à la fin directement. Voilà, il faut vraiment attendre. Oh non, tu fais ça toi de commencer. Moi jamais, il y en a qui le font, donc okay. Qui aiment bien regarder un petit peu avant. Donc non, pitié, là vraiment, il ne faut pas le faire. D'accord. Donc là, nous sommes au salon du livre de Prades pour les journadas de littérature et musique. Du festival Pablo Casals. Donc c'est un endroit charmant. Si vous ne connaissez pas Prades, quand même, ce serait dommage. Et là, donc, nous avons rencontré Laurence, le hasard, à côté des Nôtres de Paris. Et donc, oui. Mais tu n'es pas parisienne à 100%. Non, en fait, je suis originaire des Pyrénées-Orientales. J'ai ma famille qui habite au Soleil, donc près de Perpignan.
Et je suis à Prades normalement à peu près tous les étés puisque je suis tourneuse de page pour le festival de Prades. Ah, c'est à la fois voilà, pendant l'été les premiers jours et lors de la saison musicale du festival au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Voilà. D'accord. Donc c'est aussi agréable de venir à Prades pour moi signer mon livre. Voilà. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup Laurence. Oui, et bon merci salon. Bonjour. Bonjour, nous sommes au Salon des éditeurs de Prades, sur le stand des éditions Alter Ego. Je suis avec l'éditeur et je crois que sa voix, vous la connaissez, vous avez dû déjà l'entendre à la radio. Présente-toi, nos amis. Bien, je suis Joël Mété, le directeur des éditions Alter Ego. Et effectivement, j'ai été maintes fois invité France Inter, France Musique, où j'ai pu, grâce à Elsa Boublil, Alex Dutil, Franck Medioni, présenter ma collection Jazz Impression. D'accord. Donc beaucoup de titres pour les amateurs de jazz, une passion qui a démarré pour les bouquins en 2000... En 2001, oui. J'ai monté ma maison d'édition en 2001, mais la collection jazz n'existe que depuis 2010. Ah, c'est super récent, effectivement. Ça explique pourquoi on entend beaucoup parler de toi. Donc la collection de jazz date de 2010. Oui, elle s'est créée un peu par hasard grâce à Michel Arsens, une personne que je connaissais depuis longtemps. Je ne savais pas qu'il écrivait, je ne savais pas qu'il écrivait sur le jazz. Il m'a proposé un ouvrage qui m'a intéressé, que j'ai publié. Et cet ouvrage a été primé du premier coup, il a eu le prix Vendémiaire. Donc j'ai continué dans la collection. Il était ami avec Alain Gerbert, qui a eu une émission de jazz pendant 42 ans sur France Musique, qui m'a fait confiance, qui m'a confié des textes que j'ai publiés, qui ont été primés, et du coup, voilà, j'ai été... L'aventure a commencé, et elle continue depuis. Super, bravo, et merci. Et ben merci à vous. Bonjour Christine, nous sommes toujours au salon du livre de Prades pour le Giornata littéraire et musical et on veut finir en beauté avec un ouvrage sur Pau Casals, mais tu nous as dit que là on était installé dans un lieu privilégié, explique-nous. Oui, comme le rappelait Joseph-Marie Figuer hier, Prades c'est vraiment le lieu privilégié de Pau Casals, que l'on connaît sous le nom plutôt de le prénom de Pablo, mais en catalan c'est Pau. Et donc, en même temps, Pau veut dire en catalan paix. Donc, double message. Et nous sommes devant la porte de l'église Saint-Pierre de Prades, où, lors de son exil, Pablo Casals, ou Pau Casals, avait fait les premiers concerts du festival, qui va devenir le festival Pablo Casals. C'est super. Alors en plus, là, une nouveauté aux éditions Balzac, une œuvre au service de la paix, tout un programme, la vie de Pau Casals. Oui, c'est surtout, on a rassemblé, bon, c'est une édition française d'un ouvrage catalan publié à Barcelone. Et Joseph-Marie Figuer est journaliste. Journaliste, il a fait la recension de tous les écrits, entrevues ou télévisés ou papier, de tous les écrits de Pau Casals sur la paix, sur le thème de la paix. Il a énormément écrit, il a énormément parlé de la paix. Ça a été à partir donc de son exil, de sa Catalogne natale vers Prades, la Catalogne, où il est resté 10 ans, en Catalogne française, où il est resté 10 ans. Et où il va se sentir encore chez lui, hein. Il va tous les jours pratiquer des marches vers le Canigou, hein, la montagne sacrée des Catalans, et va commencer donc le festival Pablo Casals. Et donc nous avons repris l'ouvrage initial et nous en avons fait une édition française. C'est Marie Costa qui a fait la traduction, mais qui l'a en même temps enrichi et commenté. C'est-à-dire que au lieu d'être de façon chronologique, il fallait expliquer ce qu'avait été la guerre d'Espagne, ce qu'avait été l'exil de ces grands hommes, hein, comme Casals, comme Pompeu Fabre, qui a été le grand mérien, qui a vécu très, qui est mort à Prades dans l'exil. Voilà, et c'est vraiment un texte qui se lit facilement. On va pas trop donner de détails parce qu'après, il faut que les gens le lisent et le découvrent. Merci beaucoup, merci. Christine. Merci à vous.